6. Le droit subjectif et la science juridique romaine. Le droit ayant éclaté en morceaux divers, l'usage actuel est de distinguer du droit objectif ou ensemble des lois positives le droit subjectif, terme barbare. Le droit subjectif, ce langage sans la philosophie allemande, est un produit des pandectistes. Ils le forgèrent au début du XIXe siècle et en dissertèrent à longueur de temps. Pour Savigny ou pour Winscheid, le droit subjectif est Willensmacht, ou puissance d'agir accordée à l'individu. Autre définition de Hering, il s'agirait d'un intérêt juridiquement protégé, toujours subjectif, attaché ou bénéficiant à quelques sujets, quelques personnes individuelles, par extension personnes morales. Offeld, qui s'est attaqué à l'analyse du mot « right », équivalent en langue anglaise du droit subjectif des continentaux, lui reconnaît quatre sens possibles « liberté, pouvoir, en particulier d'agir en justice, claim, immunité et dans tous ces cas, legal advantage ». Le droit subjectif, à la vie dure, y tient encore une large place dans les théories générales du droit. Les droits de l'homme entrent à l'évidence dans le genre des droits subjectifs. Aussi, a-t-on pris l'habitude d'exposer la science juridique romaine en termes de droit subjectif ? Droit réel, dit jura in re, et personnel, in personam, droit de propriété, droit de créance. Le droit de propriété moderne, pouvoir d'user et d'abuser d'une chose à son arbitraire, prototype du droit subjectif, c'est lui qualifier de concept romain de la propriété. Et la science allemande lui oppose une prétendue propriété de type germanique, qui aurait cet étrange attribut d'être communautaire, comme si le commun n'était pas le contraire du propre. Selon l'opinion dominante, si l'expression de droit subjectif fait défaut dans les textes romains, la notion aurait été déjà inhérente au mot « ius ». D'ailleurs, bien antérieure à Rome, nous disait un jour le bras. On ne saurait douter qu'elle ne fût aussi vieille qu'Adam et Ève, une catégorie éternelle de l'esprit humain, comme toutes ces formes de la raison ou de l'entendement reconnues par Kant, et dans l'espèce, il s'agit bien d'une catégorie qu'ancienne. Cependant, nous venons de rencontrer sous la plume de Paul au Digeste une ligne d'essence du mot « ius ». Il en est d'autres au Moyen-Âge. Jamais ne s'y trouve mentionnée non plus que dans le texte de Paul l'acception de droit subjectif. Mais la grande majorité des romanistes contemporains exclut d'une notion aussi nécessaire et si bien fondée en raison eût été absente du langage juridique romain. Le manuel de Gaius. Du corpus iuris civilis, j'ai jusqu'ici négligé la première partie, constituée par les institutes, dont Justinien a voulu faire le principal manuel d'enseignement élémentaire du droit civil. Elles furent aussi un véhicule pour la transmission à l'Europe de la culture juridique romaine. Les instituts de Justinien ont beaucoup perdu de leur importance à cause de la redécouverte par l'Allemand Nierbourg en 1816 de leur source principale, les instituts de Gaius rédigés au IIe siècle de l'ère chrétienne. Il se pourrait qu'un prototype en ait existé de date plus ancienne. Dans sa forme actuelle, l'ouvrage de Gaius traite à la fois du droit civil ou droit de la cité romaine et du ius gentium, applicable à tous les habitants de l'Empire. Le texte primitif n'eut contenu que le pur système du ius civile, la grande invention des jurisconsultes de la fin de l'époque républicaine. De toute façon, le livre de Gaius est le seul ouvrage de droit classique dont on ait conservé l'ensemble, devenu le texte de prédilection des spécialistes du droit classique. Qu'il s'agisse ici d'un manuel ne le rend pas indigne d'intérêt. Il sera moins riche de solutions détaillées que ne l'est le digeste. Peu nous importe, c'est à l'usage des professeurs et des étudiants que devait servir l'aris iuris, selon Cicéron. Nulle part on a chance de mieux saisir les définitions générales que dans les ouvrages didactiques. De fait, l'ouvrage de Gaius semble la réalisation du projet qu'avait esquissé le texte cicéronien. Cicéron avait indiqué la méthode à suivre. Premièrement, définir la fin de l'aris iuris civilis, puis décomposer cette définition à un petit nombre de notions génériques, genera per pauca, les subdiviser à leur tour en genres et espèces, generatim componere. Ainsi s'ordonnent les instituts, d'où leur plan, trois genres principaux auxquels correspondent trois titres, personne, chose, action. Plan simple, peu original, certains traités de grammaire du temps étaient composés sous des rubriques analogues, peut-être suggéré par le texte même de Cicéron lorsqu'il définissait le champ où s'exerce l'art du droit civil.
in rebus causisque civium, personne, chose et cause ou action. Les institutes ne sont pas formées d'un ensemble de règles de conduite, elles sont un essai de description de l'ordre social existant à Rome, ainsi que se pourrait décrire et analyser la structure d'une pièce de théâtre. Avec ces personnes, où rôle, persona signifie le masque, le rôle de l'acteur. Comme il n'est pas de comédie sans rôle divers, Gaius subdivise les diverses espèces de personnes. Libre, esclave, affranchi, adulte, enfant, etc. Ensuite, les espèces de choses que l'on se dispute. Enfin, les actions qu'exercent les acteurs. Qu'est le droit, sinon une proportion dans le partage des choses distribuées entre des personnes, cet ordre que tendent à servir les activités de l'homme juste. L'œuvre de Gaius peut être comparée à une quasi-sociologie qui diffère de la nôtre en ce qu'elle n'est pas neutre, qu'elle s'efforce au discernement du juste de l'injuste. Mais dans les rapports sociaux, le contraste est violent avec les traités de l'école moderne de droit naturel. Nous verrons plus tard que la méthode des constructeurs de ces traités sera de partir d'une définition de l'être humain individuel, d'où se déduirait le système du droit. Pas de place dans les instituts pour cette abstraction. La personne humaine pointe de droit de l'homme, un tableau des proportions entre des hommes. Pourtant, c'est dans les instituts, plus précisément à la seconde partie de l'ouvrage, que le mot « ius » apparaît porteur de significations nouvelles, où certains ont cru reconnaître la notion de droit subjectif. Des droits au pluriel. Laissons désormais le concept général de droit, objet de la justice, réalité juste, id quod justum est. La définition du concept général de droit, comme le note Kant au début de sa Rechtlehre, n'intéresse que les philosophes. Gaius, qui s'adresse aux juristes, préfère les entretenir des droits. Passage au pluriel. C'est un trait caractéristique du réalisme de l'Antiquité que la préférence pour le pluriel. Les philosophes grecs ont coutume de partir de l'observation de la réalité sensible qui leur offre d'abord le spectacle de la pluralité des choses. Ils s'élèvent par voie d'abstraction au concept unitaire du genre sans perdre de vue la diversité des espèces. Aristote n'a point écrit un ouvrage sur la morale et pas l'éthique à Nicomaque comme on l'intitule par inadvertance, mais des éthiques à Nicomaque, études sur les mœurs plurielles. Nous avions tort de laisser entendre qu'il n'aurait traité que du dikaion, du juste ou du droit. Il usait autant du pluriel, ta dikaia, ainsi les Romains. Je retourne au digeste, livre 1, titre 1, De justitia et et iure. On vient d'y relever les définitions de la justitia ou du ius, mais en vérité, il y avait déjà fait mention d'espèces de droit. Dès le fragment 1, auquel s'enchaînent les textes suivants, elles sont classées sous trois rubriques qui ont bénéficié d'une fortune particulière. Ius naturale, ius gentium et ius civile. Les modernes, dans leur volonté de réduire le réel à des idées simples, falsifièrent le sens de ces termes. L'expression de droit naturel, ius naturale, ne signifie pas au digesté un ensemble cohérent de règles, soi-disant tirées de la raison subjective de l'homme et susceptibles de former un bloc unitaire, mais désigne un ensemble de choses. Selon la curieuse formule d'Ulpien, il serait constitué de rapports juridiques entre tous les êtres animés, bêtes y comprises. Idée que la doctrine moderne a tout à fait abandonnée. Maris adque feminae conjonctio, liberorum procreatio educatio. Il y aurait déjà chez les animaux des rapports quasi juridiques entre le mâle et la femelle, ou des petits oiseaux avec leurs parents, etc. Considération théorique qui pourrait retrouver quelque actualité auprès de spécialistes de la sociologie animale, mais pour un juriste dépourvu d'intérêt pratique. Le ius gentium tenait une place plus considérable dans l'esprit des jurisconsultes de l'époque impériale qui ont vocation de maintenir l'ordre entre citoyens relevant de cités diverses à travers l'Empire. Comme exemple de ius gentium sont énumérés des devoirs de moralité, piété religieuse, obéissance des enfants envers les parents, fragment 2 de Pomponius. La vindication ou devoir de repousser les agresseurs, mais aussi la guerre, les frontières établies entre royaumes distincts, l'esclavage, l'affranchissement et les contrats du commerce international tels que la vente et le louage. Autant d'institutions groupées sous la rubrique de ius gentium. Seul nous intéresse le ius civile dont les Romains ont fondé l'aris. La diversité des rapports de droit civil particulière à chaque cité est plus large encore. Innombrables les institutions propres à la cité romaine. Gaius les appelle au début de ses instituts « Iura Populi Romani »,«
droit au pluriel du peuple romain, indiquant ensuite par quelles sources, lois, plébiscites, constitutions, sentences des jurisconsultes, etc., ils ont été déterminés. Peut-être aurons-nous avancé dans notre tentative de définition de l'idée classique du droit en redécouvrant sous le jar commun cela qui est juste en général, id quod justum est, toute relation juste, la pluralité des espèces jura. Il y aura au sein des groupes plus ou moins vastes, et il s'agit de droits au sens strict de groupes politiques. Ceux peuvent découvrir une multitude de figures juridiques particulières, les premières d'ailleurs qu'aperçoivent la jurisprudence notitia rerum, puisqu'elle travaille sur des cas avant d'en abstraire le concept générique de droit. Il est normal que le même terme désigne le droit en général, id quod justum est, et la foule des jura concrets. Pour finir, je rappelle la définition de l'objet de la justice. Jus suum quique tribuere, attribuer à chacun son jus, que l'art juridique a pour office de déterminer. Glissement de sens, le mot n'évoque plus le partage, mais la part revenant à chacun par suite du partage. Le statut qui en résulte pour telle ou telle chose, jus fundi, jura praediorum, situation de tel fond de terre en particulier. Le droit comme chose incorporelle. Presque au début du livre 2 des Institutes de Gaius est offerte du jus une définition suggestive. Cette partie de l'ouvrage traite des choses, res. Les choses, res, sont ce dont on se dispute, les causes des procès, causae, choses. Et il s'agit de choses privées, humani iuris privatae. Celles que chacun demande se voir attribuées par le juge au terme du procès. Mais il y a eu plusieurs manières de concevoir les choses du droit. La première, la plus archaïque, qui d'ailleurs ne sera jamais entièrement abandonnée, est d'imaginer que ces objets sur lesquels porte le procès seraient des choses matérielles. Dans l'ancienne formule de revendication, le plaideur exprime l'objet ou la cause de son action par ces mots. Tel ou tel esclave, tel fond est à moi. Unc hominem meum esse aio. Unc fundum meum esse aio. Un créancier réclamera de son débiteur tant de pièces d'argent, 10 000 sesterces. Un esclave, un fonds, des pièces d'argent constituent des choses corporelles. La pratique persistera de traiter les objets de droit, du droit par les mêmes mots dont nous usons dans notre langage ordinaire. C'est la façon de parler la plus naturelle. En pratique, il serait impossible de s'en affranchir. Mais le langage de Gaius est plus raffiné. Il construit la plus grande partie de son exposé du droit des choses, res, sur la distinction entre les choses corporelles et incorporelles. Voilà bien une preuve de l'influence des philosophes sur la science juridique romaine. Les philosophes grecs, surtout stoïciens, ayant élaboré le concept de choses incorporelles. Cicéron répandit à Rome cette invention dans les topiques pour que l'art du droit en bénéficie. Il serait utile de distinguer entre les choses corporelles, quae cerni tangibe possunt, qui peuvent être vues et touchées, et les choses incorporelles qu'on ne peut pas toucher. Rien ne prouve qu'il innove, mais Gaius comprend que cette découverte est précieuse pour la science du droit. Parmi les choses juridiques sur lesquelles portent des litiges, il en est de non corporelles. L'héréditas, ce patrimoine que des héritiers se disputent, un usufruit, des servitudes, jura praediorum, des obligations, ces choses-là sont incorporelles. Certes, le patrimoine d'un défunt contient des choses corporelles, une maison, des esclaves, de l'or, mais l'héréditas peut comprendre des créances, des dettes et l'ensemble d'une héréditas ne peut se toucher ni se voir. Une veuve bénéficie de l'usufruit sur une maison, chose corporelle, mais l'usufruit de la maison n'est pas corporel. On trouvera beaucoup d'autres espèces de choses incorporelles, sans doute les actions, y compris les actions réelles. Il y a quelques différences entre posséder un esclave, chose corporelle, et détenir seulement une action qui me permet d'agir en justice dans l'espoir de le revendiquer. Cet espoir est incorporel. Allons plus loin, toutes les choses disputées en droit devaient être comptées comme incorporelles. Saint Thomas d'Aquin le suggère à propos de la propriété dans les sommes théologiques. Supposez que le juge m'attribue la propriété d'une terre, d'une quantité d'or. Qu'est-ce que j'ai reçu? Est-ce la terre ou l'or? Non, répondit-il, parce que ces choses appartiennent à Dieu. Il n'est pas en ma possession de changer leur nature, de les faire autres qu'elles ne sont. Je n'ai pas reçu le pouvoir d'en user à mon arbitraire, les choses matérielles étant destinées par Dieu au service de tous. L'usage en demeurera commun. M'a été seulement attribuée la gestion de la chose, le plaisir ou la charge de la gouverner. J'en suis reconnu responsable. À Rome,
La proprietas, que l'on comparait à l'usufruit, la situant au même niveau, est une chose incorporelle. On pourrait le dire de toutes les choses dont traite le droit. Le texte de Gaius affecte aux choses incorporelles ce nom, iura. Sunt quae in iure consistunt, dans d'autres manuscrits, iure consistunt. Les deux termes sont synonymes, car les choses ou causes des juristes, ce que le juriste perçoit dans l'être, de son point de vue spécifique, ne sont pas les choses des physiciens. Res extensae, dira Descartes, morceau de pure matière sur laquelle pourrait s'exercer la domination d'un homme solitaire, mais des compétences, des fonctions, des rôles à tenir dans la vie sociale intersubjective. Inexistence du concept de droit subjectif. Pourtant, les romanistes modernes ont cru découvrir chez Gaius la notion de droit subjectif, en particulier dans le passage traitant des « iura praedorum », servitude praediale, chose incorporelle que le texte énumère. Il existe un « ius altius tollendi », un « ius eundi ». Il semble naturel de traduire « faculté laissée au propriétaire d'une maison de la surélever »,« altius tollere », élève, élevé plus haut. Au cultivateur de passer à travers le champ de son voisin, ius eundi. Nous aurions là des libertés ou des avantages bénéficiant à un sujet des droits subjectifs exprimés par le terme iura. L'usufruit se trouve qualifié de ius utendi, qui voudrait dire liberté d'user d'une chose dont un autre est propriétaire. Même expression dans le digeste. Nous avons dans un vieil article mis en garde contre ces traductions, il suffit de lire jusqu'au bout. Quand le texte de Gaius parle de ius altius tollendi, il continue dans la même phrase aut non extollendi. Voici donc un ius de ne pas surélever sa maison, pour ne pas enlever au voisin sa vue sur un beau paysage. Que me soit attribué l'avantage ou la liberté de ne pas surélever ma maison serait vide de sens. Une charge ici m'est attribuée et une restriction à ma liberté. L'expression de ius utendi, donnée par Gaius pour synonyme d'usufruit, ne signifie pas la liberté d'user d'une chose. En droit romain, le titulaire de la pleine propriété ne peut prétendre disposer d'un ius utendi. Qui pourtant aurait liberté d'user d'une maison sinon son plein propriétaire? Que veut dire ius dans ces textes pris en exemple? Et j'aurais pu en citer une quantité d'autres. Pas d'hésitation, il désigne une chose. Gaius a situé les jura dans sa pars rerum. Il en fait une espèce de res, objet que le juge a pour office de distribuer entre des personnes, ou qui peut former la matière, la cause du procès. Jusqu'à l'usufruit ou la servitude sont traités comme choses substantivées. Une pauvreté de la langue française est de ne pas disposer de la forme de l'infinitif substantivé. Mais en latin, cette forme existe et l'infinitif se décline. Utendi, non extollendi, etc. Prenant la valeur d'un objet. Le ius des institutes n'est pas attribué attenant au sujet, liberté d'agir. La liberté ne se partage pas, mais cette part de chose qui revient à chaque personne dans le groupe par rapport aux autres. Impossible aussi de le traduire par le mot diering, intérêt, ou faire attribuer par un juge le statut qui vous empêchera de surélever votre maison. Ius non extollendi aedes n'est pas pour vous un avantage. Être engagé dans le réseau d'une obligation, ius obligationis, en tout cas pour le débiteur, les débiteurs, n'est pas bénéfique. D'une hereditas, ius successionis, on risque de tirer du passif. Avoir le ius civitatis, la loi de l'État, comporte, hélas, l'obligation de faire son service militaire. Être propriétaire d'un fonds et d'accepter les servitudes dont il est grevé, et de payer l'impôt. La chose implique des devoirs. La situation de chacun est telle à l'intérieur du groupe social que son ius, la part qui lui revient, est à l'ordinaire un complexe d'avantages et d'inconvénients, de biens et de charges. Cette science du droit n'est pas concentrée sur l'individu. Elle ne fait pas de Robinsonade. Héritière de la philosophie réaliste de l'Antiquité, elle envisage l'individu tel qu'il est, situé dans un groupe. L'homme est animal politique. Le langage de Gaius ignorait la notion moderne de droit subjectif, qui naît d'une autre philosophie, et toutes les classifications de nos traités de droit civil échafaudées sur le concept de droit subjectif. Pas de droit réel en droit romain, ni de droit personnel, pas de droit de propriété, ni de droit de créance, et l'on n'y trouve pas de droit de l'homme. Mais nous admirerons, à travers la multiplicité des sens que revêt le mot ius à Rome, leur parfaite continuité. D'un bout à l'autre de la chaîne, c'est-à-dire du plus général à l'acception la plus concrète, le ius est res justa,
l'objet de la justice. Relation aux autres avec qui nous communiquons par l'intermédiaire du partage des choses extérieures. Vient le moment de conclure la première partie de notre ouvrage portant sur le droit. On y a décrit l'idée du droit que pensèrent les juristes romains et qui fut de Rome transmise à l'Europe. La recherche a pris des proportions dont l'auteur s'excuse. Je suis conscient qu'un double reproche peut lui être adressé. 1. Négligeons le premier du point de vue de l'histoire scientifique. Cette histoire demeure incomplète. Elle ne prétend pas rendre compte des résultats de l'érudition scientifique contemporaine. Dans les textes romains ou philosophiques grecs, j'ai retenu des textes obvi mis en évidence dès le début du corpus Iuris Civilis. Un profane les découvrirait au premier coup d'œil. Les plus aptes à nous éclairer sur les principes de l'art classique de Ius Civile. J'ai choisi délibérément les textes représentatifs de cet art classique sans me soucier des déviations qu'il a pu subir dans l'usage vulgaire. Je me suis expliqué sur l'opportunité d'un choix. 2. Mais il y a l'objection majeure. Entre la République romaine et nos États du XXe siècle, tant d'eau a coulé, de transformations sont intervenues, de changements socio-économiques. Nous n'aurions que faire du langage juridique romain ni des analyses d'Aristote sur la justice particulière. Est-ce que la justice pourrait être la même au siècle où l'on sait fabriquer le Concorde, la bombe atomique et l'ordinateur? Parmi tant de curiosités archéologiques, n'est-il pas gratuit de choisir cette vieille définition du droit au nom de sa prétendue valeur ?